Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour la famille. Voilà, j'aimerais m'entretenir avec vous pendant quelques minutes seulement. Peut-être une dizaine de minutes. Sincèrement, c'est pas dans mes habitudes de faire déjà des lives, mais deuxièmement, je ne sais pas en faire. Il y a Milaï Makassi, c'est vraiment pas mon truc. Surtout qu'on a un peu autre chose à faire. Plusieurs choses même à faire à la fois. Shalom les amis, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, le pasteur Michael Ambaye. Je viens par ce direct rapidement vous la main sur le cœur, dire merci à tout le monde. Hier, j'ai passé du temps avec les enfants. Et aujourd'hui également, je serai avec eux. Comme sous la demande du juge, on le savait depuis un temps. Cette situation des enfants ne m'avait pas laissé indifférent parce que toutes ces années, j'y travaillais. En tant que père, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut me faire, moi, personnellement. Je viens de temps en temps à Dallas. Je suis tout le temps à Dallas. Mais je me rappelle que la dernière fois que j'ai vu les enfants, ça va faire 1 an et demi. Même quand je parlais des 2 ans, je me rappelle que c'était 1 an et demi, c'était en novembre. En novembre, voilà, calculé à 1 an et demi. Novembre de quelle année? Novembre 2019, 2020, je sais pas. 2020, ça peut pas être 2019. Alors, soit 2019, quelque chose comme ça. 1 an et demi. Et après, les choses, c'était de plus en plus compliqué. Mais avec les lois du Texas, tout ça là, je ne vais pas entrer beaucoup dans les détails. Je ne vais pas entrer beaucoup dans les détails. Mais ici, hier, je n'ai pas pu me contenir. Je n'ai pas pu me contenir. Je ne sais pas si c'était une manière pour moi d'exprimer ma joie, rendre grâce au Seigneur. Parce qu'on doit se le dire que ne peut faire ça que Dieu. Dieu seul. Vous voyez ça? C'est vrai, même quand l'affaire peut être au niveau tribunal et consort. Mais je me dis qu'avant d'entober le soleil, la justice, il y a Mokili. Il y a Nzambe Zalaka. Il y a Nzambe Zalaka. Et puis il y a Nzambe qui a prouvé loco. Vous verrez que. Et dans la prépondérante, non, il y a Mokili, comme je le disais hier. Alors c'était une grande joie pour moi. Je suis parti de Kinshasa très rapidement. Pour ceux qui nous suivent en live, juste après mon message de dimanche à l'église, directement je vais prendre mon vol. Parce que les 21 et les 22 devaient me trouver aux États-Unis. Comme j'avais déjà perdu la journée du 21, je devais m'y rattraper le 22, comme l'avait sur demande de la cour, bien sûr. Alors, je voudrais ici bénir le Seigneur. Moi, je croyais seulement que c'était un live que je faisais. Permettez-moi, je suis en train de prendre un coup de fil là. Y a certaines personnes qui m'appellent, excusez-moi. Je croyais seulement que c'était un live que je faisais, parce qu'on doit se le dire aussi que je ne pouvais pas m'en empêcher, quoi. Je pouvais pas m'en empêcher. C'était un bonheur retrouvé. Un bonheur retrouvé. Quelque chose pour lequel je travaillais dans les humiliations, dans les injures, les insultes. Quand je me suis retrouvé à la position où j'étais réhabilité par rapport à mes droits, d'abord ce que je voulais c'est restaurer d'abord ces contacts permanents avec les enfants et le reste pourra s'en suivre après. Je bénis Dieu pour cela. C'était pour moi une manière de remercier le Seigneur qui est l'auteur justement de cette œuvre, de cette évolution des choses. C'est vrai, ça peut émaner de la justice, mais ce qui nous a mal obité, l'opéra, ça n'est pas exacté.
Moi, je suis enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Je crois que tout ce qui nous arrive, c'est par grâce du Seigneur, tout simplement. Alors, mais ce qui m'a touché le plus, c'est la réaction de plusieurs personnes. La réaction de plusieurs personnes à travers le monde derrière ce geste. C'était une manière pour moi, européen, ça nous a dit merci. Mais la chose qui m'a touché le plus, c'est quand je regarde comment la chose n'a laissé personne indifférent. J'ai vu les mamans, j'ai vu le papa, j'ai vu le frère et soeur. Merci papa Mike, merci que Dieu soit loué. Ah bon? Je ne savais pas que vous l'attendiez aussi autant. C'est comme ça que je viens sincèrement, la main sur le cœur, comme je le disais à mon introduction, vous dire grand merci. Je sais, même quand on peut estimer que pas toujours penser que Congolais à Zakamabé, moi je sais que Nyon Sobadamabété, il y en a eu quelques-uns qui n'ont pas arrêté de me porter dans leurs prières. Qui n'ont pas arrêté de me porter dans leurs prières. Je voudrais vous dire ici que je suis en train de voir vos prières aboutir, associées aux nôtres, justement, aboutir dans le sens de donner des résultats meilleurs. J'ai vu les enfants. Zion dans toute son inconscience. J'ai vu Shaddai comme toujours, ça, lui, je sais que ça ne peut pas changer. Même au moment où je devais me séparer avec lui, mais c'était une guerre, quoi. C'était une guerre. C'était une guerre. Il fallait beaucoup d'astuces, beaucoup de tournures pour les convaincre. Je bénis Dieu pour cela et je voudrais vous dire tous merci. Pour la moté Manabino, pour la Bolingo Nabino, pour la. Tout ce que vous avez manifesté, je ne savais pas sincèrement que vous aviez causé la Mobongo, que nous avons le sujet Moko et à quoi rendre grâce Nanzambe aussi de votre part, ça je ne savais pas. J'avais plus comme impression que c'était plus mon affaire. Je me suis rendu compte qu'il y a des frères, il y a des familles qui nous portent à cœur, qui partagent notre douleur, qui partagent notre douleur. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Frères et sœurs, de partout où vous pouvez vous retrouver, je suis très reconnaissant sincèrement envers vous. Je crois avoir vu quelqu'un là, je crois avoir vu quelqu'un. Non mais il y a vraiment ça à continuer à osvailler. Il y a vraiment ça à continuer à osvailler. Je vois quelqu'un qui dit quoi là? Il y a Soukaina en tout cas. Soukaina. Alors ce n'est pas pour. J'essaie, même que là que je suis en train de parler, vous constatez que j'essaie de rester sur moi-même, dans le sens de ne vraiment pas déranger certaines sensibilités. C'est pas mon truc, moi je suis pas dans les polémiques et qu'on sort. Et même par rapport au livre, il y a beaucoup de personnes qui sont tiquées, mais toujours, mais chantre, comme pasteur, et puis scolaire comme écrivain. Non. Derzoka hein? Pourquoi ils ont travaillé sans qu'il y ait ambiguïté? Est-ce que je ne vais l'apprendre à personne? Moussala d'abord, Moussala non, il y a chanteur, il y a compositeur. C'est de l'écriture, vous voyez ça? C'est de l'écriture. Et maintenant que le Seigneur, il a appelé au Seigneur que nous partions de la casquette, il y a chanteur pour celle du pasteur. Ça encore, c'est de l'écriture. Nous tenons des prédications très bien élaborées. Essayez de nous suivre par la grâce de Dieu. On essaie quand même d'être un peu cohérent dans ce que nous disons devant Bananzan, mais je vous assure que chez nous à l'église, dans sa présence church, nous n'avons pas que des. C'est pas des parias, non, non. Nous avons des responsables, des cadres des sociétés, des mamans, Naba Papa, Basaraka, des personnes qui sont allées aux études. C'est-à-dire que toute cette foule-là ne peut pas être là pour écouter des tralala, non, non. C'est-à-dire qu'on essaie d'être cohérent. Et convaincant, bien sûr, dans ce que nous sommes en train de dire. Et ça aussi, c'est de l'écriture. Vous voyez. Il suffit qu'un de mes séminaires, voilà, je me rappelle d'ailleurs, il y a un écrivain qui avait assisté à un de nos séminaires. C'était quoi les titres? Et plutôt les thèmes. Si par l'homme qu'on appelle Jésus, c'était Ton Dieu ordonne que tu sois grand. Il m'a dit, Pasteur, le bagage, tofan dans nos gars, 2, 3 jours, ça va être un ouvrage puissant. J'ai dit, non, laissez-moi davantage. N'a fignolé ou quoi, parce que j'étais déjà sur un travail où déjà nous avions amorcé il y a livre. Au départ, c'était un seul livre
les silences brisés. Pourquoi? Parce que j'estime que il y a un temps pour toutes choses, comme je suis en train de le dire, il y a un temps pour toutes choses, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps, il y a le temps, un temps pour s'aimer, un temps pour récolter, il y a un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Il y a un temps également de garder silence, mais il y en a également de rompre avec les silences. Mais ce sera pas teinté des polémiques, ce sera pas teinté des polémiques, mais seulement j'estime que je suis redevable à tout ce grand public, à tout ce grand public qui nous aime, qui nous apporte un cœur à cœur. Ça va être une occasion pour nous peut-être de rendre la vérité à la place publique, je pense. La vérité à la place publique. Là où j'ai péché, je vous dirai, j'ai péché. Ah oui, là où j'ai péché, je vous dirai, j'avais péché. Mais toute la vérité, toute la vérité. Je vous dis, après cet ouvrage, il n'y aura aucune question qui restera sans réponse, sans être éclairée. En tout cas, aucune. Aucune. Les silences brisés. Mais dans la suite, le Seigneur n'a pas arrêté de nous inspirer. C'est comme ça qu'il va s'en suivre un deuxième qui va sortir également. Lui, il aura comme titre La tentation et les brisements. Ça encore, il faut sincèrement lire ça. Il faut sincèrement lire ça. Il faut sincèrement lire ça. Je ne m'hasarde pas déjà à Cocotte dans le bain en haut pour commencer à vous divulguer les choses. Non. Mais attendez ça impatiemment, comme déjà plusieurs semblent déjà qu'au Pessabisso l'impression. Donc, je crois sincèrement que ça va être un moment qui va bénir encore plus d'une personne. Ça, vraiment, soyez-en sûr. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on n'a pas dit. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? J'insiste que ça, c'est l'œuvre du Seigneur lui seul. En tout cas, ça n'émane pas de la volonté à Moutou. Ça n'émane pas. C'est pas que quelqu'un s'est réveillé un matin, il a dit non, voilà, j'ai résolu que Mike vienne voir ses enfants. Non, non, c'est le ciel qui a décidé. Et finalement, et ça l'a mis. Et ça l'a mis. Je n'arrêtais pas de me contenir à tout moment pour ne vraiment pas verser les larmes. C'était un moment de beaucoup d'émotions. J'ai vu les enfants. Voilà. L'essentiel était de le revoir. Les restes des détails ne comptent pas. Les restes des détails ne comptent pas. L'essentiel pour moi, c'était de le revoir. Et je bénis Dieu. Parce que là, je sais maintenant que je peux voir mes enfants. Je peux être présent dans leur vie. Je peux suivre leur éducation d'une manière comme d'une autre. Et ça, je bénis le Seigneur pour cela. C'était ma grande lutte. C'était mon cheval de bataille, en tout cas. Et quand même, j'essaie de m'imaginer comment nous en sommes arrivés là. C'est là que nous avons vraiment mon aîné, quoi. Parce que je pouvais venir dans cette ville, je ne sais même pas où se trouvent les enfants. Et ça, vous supportez ça comme ça des années et des années. Vous savez, vous pouvez les voir à gauche, à droite, les réseaux sociaux. Mais ma femme n'a qu'à WAP. Ça, c'était tout un problème. Les responsables, là, n'arrêtaient pas de chercher ces enfants. Je n'ai pas arrêté, sincèrement. Même pendant que vous aviez oublié, moi je n'avais pas arrêté. Je n'avais pas arrêté. Je n'avais pas arrêté. Ça, sincèrement, c'était une première victoire de la part du Seigneur. J'ai béni Dieu pour cela. Infiniment, j'ai béni Dieu pour cela. Et j'ai dit merci à toutes les personnes qui nous ont porté à cœur, qui nous ont soutenus d'une manière comme d'une autre, dans leurs prières. C'est tout ce que nous pouvions peut-être attendre de vous. Jure de ces supports-là, de la grâce, plutôt de la prière, d'un support de soutien comme ça dans la prière. Merci énormément pour cela. Nzamapambolabino. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Sinon, je vais vous quitter. Je ne sais pas faire de longs lives. Je vais vous quitter. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Y a-t-il quelque chose que je dois dire qui n'a pas été dit? J'ai vu à un moment, Dev, si tu étais là, tu es là ou tu n'es pas là.
C'est de toi que je parlais, mais si vraiment tu es là, je te prends. Hein? Voilà, je signale que je suis en live de manière concomitamment chez mes amis d'Instagram et également sur Facebook. Voilà, parce que très généralement, on se sent toujours obligé de, quand on a soit commencé sur Instagram, on doit finir également sur Facebook. Mais aujourd'hui, je pensais carrément le faire d'une pierre deux coups. This? Allez. Ah, j'ai vu quelqu'un là, j'essaie de. Non, mais reviens-moi, Debs, reviens-moi. C'est pas My Debs. Écoute. Papa Mike, qu'est-ce que vous pensez? Bon, Debs, elle a de la matière, elle a de la matière. Après un moment, Maman Déborah, je ne dors pas pour vous. Bon, Papa Cédric, il faut vous occuper. Papa Cédric, mon cher frère, Naébissio, tu vas me manquer, Papa Cédric. Bon, Naéki déjà, je vous aime beaucoup, le meilleur couple de l'année. J'ai vu ça quelque part. I love you too. En Oh, tout cas, je merci. suis très heureuse and we praying for you. On prie pour toi. Merci, Debs. Amen. Merci beaucoup. Merci, papa Cédric. Non, à côté là, une box. Papa Cédric, Soukaina. Oh, merci beaucoup, merci. Debs, j'aimerais parler à finir notre conversation d'hier avec Rokaline. Mais Exactement. elle va me faire Exactement. des C'était là problèmes. Tu as parlé avec maman Sandra ce matin? Elle va bien? Oui, elle va très bien. Si elle aura l'occasion de nous suivre, allez. On va t'appeler Je sais qu'elle est l'icolo. Bon, ça va, inbox. Papa Cédric! Soukaina, bye Ah. Yes. Ça, c'est son délire. Thank you so much. Thank you. Bye bye, papa et maman. Bye bye. Ah là là. Excusez-moi, c'était comme ça, hein. De manière rapide, comme ça, ramassé. On a pas délire, Nabiso. Donc, pour comprendre, on faut la fidèle téléspectateur Yamadjabou Talent. Ça, c'est. Yamadjabou Talent, on comprend dans mon thé. Si tu étais à ma place, ça fait demander à notre ami Otiniel. Ça, c'est les coulisses de Majabu Talent. Alors, merci beaucoup. Dieu vous bénisse. J'étais heureux de passer ce petit moment avec vous. Oh là là, vous êtes très nombreux. Vous êtes très nombreux. Je vais prendre un appel, s'il vous plaît. C'est mon frère qui doit passer par ici. Allô?
OK. Merci beaucoup. Je vois quelqu'un qui demande la situation de l'ADN. La situation de l'ADN. Je ne vous avais jamais dit, moi, en aucun jour, que Zion n'était pas mon fils. Jusqu'ici, je continue à croire que Zion, c'est mon fils. La preuve, c'est que depuis que j'ai repris contact avec eux, ça, c'est depuis janvier de cette année. Même la pension alimentaire qui est donnée, c'est compris pour Zion. Vous voyez, c'est mon fils. J'étais aussi surpris, comme vous tous, sur les réseaux sociaux. Généralement, c'est des choses autour desquelles je n'aime pas parler, sincèrement. Mais je crois qu'à un moment, il faut tout expliquer, tout s'expliquer, un peu moqué. Comment je vais dire ça? J'étais surpris, comme vous tous, de bruit autour de l'enfant, tout ça. Oh, comment ça? Et après un moment, quelques fois plus tard, je verrai une confirmation comme quoi Zion serait octroyé à une tierce personne comme père. Je dis, oh, ah bon? Alors finalement, je dis non, mais ça c'est quand même une opprobre qu'on essaie de jeter sur ma personne quelque part. OK? Essayons d'en clarifier. C'est ce qui essaie d'être fait. Je crois que nous, pas que vous serez éclairés parce que je ne me vois pas revenir avec tous ces détails-là. Oh, bah, lobby, bah, ça, non. Je crois que c'est beaucoup plus à mon niveau où j'aimerais être éclairé et positionné sur cela. Donc, ça, peut-être, c'est dans peu de jours. OK. Soyez bénis, je crois que je dois vous quitter. Permettez, j'ai de la visite, excusez-moi. Alors, les amis, comme je vous disais, je dois vous quitter. Je dois vous quitter. Je dois vous quitter. J'aimerais avoir ces nombres toutes les fois que nous sommes en live à l'église. Souvent, on peut frôler 1000. Et là, je vois, vous êtes bêlés. Vous êtes bêlés, tant que vous fendez, parce que vous aussi, là. Ah, quand on est à l'église, hein? Non, c'était une manière d'un peu blaguer. Alors, je vous aime énormément. Je dois vous quitter. Dieu vous bénisse. Au revoir. Bonjour, fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignonso. Il y a Elengiakomba. Hein? Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi a combattu vivre. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma famille, on a combat congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na voza ni saute donc na koko le kati sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaut de www.elengiakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi a combattu vivre. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma famille, on a Elengi a combattu Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, Ba boss bazali. Eh, JP Kiyama, le boss des boss.
na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na ko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss des boss mbote belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV bonjour à mon boss wana na pesa vraiment mpandi bonjour à mon boss JP Kiyama je salue mon boss Balobi boss des boss babi JP Kiyama. Bonjour, je suis en train de combattre, je suis en train de combattre, Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.